Un petit mot sur cette journée qui commence, Doudoune. Attends. Tu commences à me fatiguer. On va se cacher, hein. Perrine commence à être un petit peu fatigante. Mais bon. Aujourd'hui, on va faire les falaises. Ça devrait être joli, normalement. Et on va marcher. Où est Charlie? Perrine, une impression. J'espère qu'il y aura du vent. Alors, une impression. Mon téléphone vient de s'éteindre parce qu'il a décidé qu'il y avait trop de vent. Il était à 50%, il fait 20 degrés dehors, mais tout va bien. À part ça, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Très très beau. Petite falaise et tout, très très beau. Tu peux nous dire ce qui vient de t'arriver? Il y avait une limace dans ma salade. Du coup, j'ai pas mangé la salade. T'as un problème? Toi le problème? Non, l'éclat de la picanto. Putain. On reçoit du Pikachu. Voilà. Allez, on est parti. On est parti. On part pour faire quoi? 12 km. Avec une énergie au top. Doudoune, jour 2, toujours autant à l'aise. Non mais tout à l'heure j'arrivais trop bien en plus. C'était moi. Allez, c'est pas la bonne feuille. Y'a pas des feuilles bien ici? Je vais prendre une feuille de riz, c'est rare. Celles-là sont bien là. Là. Mais surtout une feuille de type qualitative, épaisse. Ça c'est du bon matériau ça. Qualitative, on avait dit. Faut trouver la bonne marchandise. Perrine, tu leur as dit quoi? Je sais pas. Là, elle est triste parce que je m'en vais. Je reviendrai. Perrine, ton avis? C'est trop beau, j'adore. Et c'est très silencieux. Par contre, t'as vu les gigas de pas des cubes là, dégueulasse? C'est sur la vidéo. Un update de cette randonnée. Et ben, les 12 km se transforment en 20 km. Mais bon, au moins il fait beau pour le moment. On dirait que t'as la golden hour. J'ai. À couronne de soleil, non là. Il y a un nuage quoi. Les cliffs de Moher. Voilà, et là on vient genre de tout là-bas. Le zoom là-bas. La petite tour, c'est nous. Et encore la petite tour, c'est que le mieux. Hein. Parce qu'en soi, non, on va là-bas où il y a les maisons. Oula, on a mangé. Toujours. Ça par contre, ça, toujours ça. On perd pas le nord ici. Ah putain, elle est partie là. Tu as dit qu'il fallait être rentré pour manger, elle est partie hein. Lolilol. Ça j'ai du Shinsekai dans la tête, du Shinsekai. Je chante le Shinsekai. Ouais, ouais, c'était sur sa grande clé, enfin la clé USB qu'on mettait. Ouais, 12 ans, ouais. Voilà. Oh bah, Shinsekai des Sancho, hein. On n'a pas fait la moitié du retour. Donc là, je pense qu'on est à 14 km, voire plus. Au top! Mais on va voir les ânes au retour. Et alors, ça c'est comme ça, ça. Ça, c'est comme ça. Mais j'ai peur qu'on n'arrive pas à l'heure pour manger. Ton avis après 18 km de rando, Doudoune? J'ai mal aux pieds.
Il est 8h06. On va pas manger parce que ce sera fermé. Et j'en connais qui vont râler. Mais je suis fatiguée, j'en peux plus. Au top. Mais on a vu les ânes. Ça c'est cool. Au printemps suivant, le ciel irlandais était tempé. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de l'île Merrick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Larry, Barry Connelly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connor, les O'Connelly, les Flood, et oui, du Ring of Kerry. Et de quoi... Ah putain, mais j'ai pas l'air. Pour trois jours et deux nuits. Là.